Bonjour à tous, c'est MakiKamFR, on se retrouve aujourd'hui pour le 129e épisode de La Carrière Suivie sur Farming Simulator 2013. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Un peu plus reposé qu'il y a deux jours, on va dire. Je me suis un petit peu reposé. Et puis donc aujourd'hui, je pense, si c'est pas le dernier épisode des moissons, c'est l'avant-dernier. Après, on va changer un petit peu, on va passer dans les betteraves. En tout cas, ça s'avance bien. Donc, on va continuer ça tranquillement, j'ai envie de dire. Enfin, finir ça tranquillement. Et commencer à préparer pour tout ce qui est le matériel betteravier, un petit peu. Donc, normalement, les moissons devraient bien être avancées à la fin de l'épisode. Les finir off, comme je vous ai dit. Je suis pas sûr d'avoir le temps, mais on verra. Si j'ai un peu de temps, je vais essayer de finir. Parce que bon, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est dessus. Je voudrais essayer de finir. Ça doit faire 4-5 épisodes au moins qu'on doit être dans les moissons. Minimum. Donc, si je pouvais arriver à avancer un petit peu, on va dire que ce serait pas plus mal. Bon, lui, il va avoir fini, donc après, il me semble qu'il ne reste plus que ce champ-là. À vérifier, mais il me semble. C'est à vérifier. Hop. Oh, bah, j'ai encore laissé du matériel, là. Moi, j'en laisse traîner partout, en ce moment. Oh, heureusement que je fais pas pareil, en vrai. Sinon, ce serait le bazar. Heureusement que j'en laisse pas traîner partout, en vrai. Alors en attendant que l'autre est fini, on va ramener l'autre benne. Hop. Bon, toi tu vas pas tourner assez court. Hop. Bon, pour la plaque d'immatriculation, j'ai réessayé 3-4 fois, j'ai toujours pas réussi. Et comme j'avais pas envie de me casser la tête, j'ai 18 ans. Mais donc on m'a dit que les deux A étaient pas pareils. Alors je vais y regarder. Alors si ça parlait de la plaque d'immatriculation qui existait avant, enfin que j'avais avant celle-là, ok. Sinon, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Et puis aussi on m'a demandé si je jouais au volant ou au clavier. Alors pour le moment, je joue au clavier. Mais un volant serait le bienvenu, on va dire, fin d'année ou début d'année prochaine, je pense. C'est prévu. C'est pas encore fait, mais c'est prévu. J'y pense bien passer sur un volant. Pour Farming 2015, je pense investir dans un volant. Alors par contre, le truc... Je voulais vous le demander justement dans ces épisodes depuis un petit bout de temps. Si je veux pouvoir m'acheter un volant, je voulais savoir si ça vous dérange que bah, du coup pendant pas forcément tout le temps mais un petit bout de temps, je monétise les vidéos pour pouvoir gagner un petit peu et pouvoir m'acheter le volant, on va dire, un petit peu plus facilement. Alors est-ce que ça vous dérange, parce que bon, si ça vous dérange, je le ferai pas. Ou est-ce que bon, ça vous dérange pas d'avoir une pub au début des vidéos. Et puis bah, en échange que d'ici, je pense, un petit bout de temps quand même, je puisse avoir un volant. Donc si ça vous dérange pas trop, je risque, je pense, de monétiser pas. Je pense que je vais pas laisser monétiser. Pour tout le temps, mais juste un petit moment, le temps d'avoir de quoi m'acheter le volant, ou au moins une partie, parce que bon, le but de ma chaîne c'est aussi de ne pas monétiser, donc voilà, je voudrais éviter de monétiser trop longtemps. Et notamment, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais apparemment il sortirait un volant spécial farming. Et justement, c'est pour ça que je me suis dit que bah, je passerais peut-être au volant, que ça pourrait valoir le coup. Donc c'est pour ça que j'attends que la fin de l'étude sorte, et puis
savoir si oui ou non je monétise. Et donc bah, si vous voulez bien me répondre en commentaire ou en message privé, si vous voulez pas en parler dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Ou sur Facebook en message privé aussi, ou un message tout simplement, ou dans les commentaires si vous voulez en parler et que ça vous dérange pas que tout le monde le voit. Mais voilà, si ça vous dérange pas, je puisse passer sur un volant. Plutôt que de rester au clavier, parce que mine de rien, un volant c'est un gros budget. Et puis comme je vous ai dit, bah voilà, j'ai pas que farming dans ma vie et j'ai des passions à côté, donc ça me coûte pas extrêmement cher, mais ça me coûte quand même un petit bout, donc voilà. Je pense que notamment si je monétise ne serait-ce que, je sais pas, 6 mois ou 3-4 mois, je pense que ça pourrait notamment m'aider, si ça vous dérange pas, bon voilà, d'avoir 30 secondes de pub au début de chaque vidéo, si ça vous dérange pas trop. C'est pour ça, parce que en fait, enfin, comment vous dire ça, j'allais dire chaîne communautaire, mais non, c'est pas vraiment le mot. Mais je veux dire, enfin, je veux absolument, dans toutes les décisions que je prends, ou presque, demander l'avis aux abonnés avant de les prendre. Parce que en gros, c'est vous qui décidez de mon avenir, en quelque sorte, de faire connaître la chaîne. Bon, même si ça, c'est aussi mon boulot un peu. C'est vous qui décidez de vous abonner, de regarder les vidéos et de faire connaître la chaîne. Donc c'est grâce à vous que la chaîne existe. Sinon, je pense qu'elle aurait pas fait long feu, même si ça a mis longtemps à démarrer. Bon, là, je suis rendu à 430 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Donc, c'est grâce à vous que ça fonctionne. Je pense que sinon, j'aurais laissé tomber, même si j'ai tourné très longtemps en dessous de 50 abonnés. Bon, voilà, maintenant que c'est parti, j'espère que ça va partir encore plus vite après. Et que ce sera de mieux en mieux, ce que je souhaite bien sûr. Encore les moissonneuses qui sont pas à la même vitesse, ça m'énerve. C'est la chenille, elle est à combien? 33, niveau 2, 33, oh c'est bizarre. 19 km/h à peu près. Ouais bah 10-11. Oh, celui-là devrait les rattraper pourtant. Ce n'est pas normal. Au pire, je vais freiner celle de devant. Hop, faut que j'aille. Bon, je vais prendre avec un camion parce que j'ai dit on s'occupe du matériel des betteraves aussi. Donc je vais freiner celle de devant un petit peu. Donc voilà, sur ce sujet. Pour moi, c'est franchement pas un sujet tabou, rien du tout. Mais voilà, je préfère avoir votre accord. Enfin, si ça vous dérange pas. Ça va être... Enfin, ça va pas être un sondage, mais ça va être un petit peu en gros sous cette forme-là. Donc, je pense que si ça vous dérange pas, je vais le faire. Bon, parce que... Oh ouais. Sinon, bah, je le ferai pas forcément, mais... Parce que déjà, cette année, j'ai passé pas mal de budget, notamment dans des pièces sur le PC. Donc un nouveau micro, bien sûr. Et puis, bon, les extensions de farming et farming... c'est pas cher, mais bon, micro studio et des pièces sur un PC et un nouvel écran aussi, voilà, c'est pas non plus du matériel donné, donc comme je fais ça absolument, c'est vraiment pour m'amuser, hein, c'est pas pour l'argent, donc pour pouvoir m'améliorer et justement m'amuser encore plus en votre compagnie, c'est pour ça qu'un volant, bon, je vais pas passer trois quarts d'heure là-dessus.
pense que je vais m'arrêter là-dessus. Ah, c'est que les autres vont être pleines derrière là-bas. Là. Déjà qu'elles avancent pas bien vite, alors si en plus elles s'arrêtent, ça va pas faire. Donc après, voilà, c'est un sujet à voir, donc je vous laisse décider de ce que vous voulez. Soit vous acceptez qu'il y ait des pubs et sûrement que j'aurai un volant soit fin de cette année, soit l'année prochaine, ça dépend de vous. Et ça dépend du nombre d'abonnés et du nombre de vues. Soit je reste comme ça avec un clavier et puis donc je monétise pas. C'est comme vous voulez. Je vous laisse aussi un petit peu décider de, entre guillemets, de l'avenir de la chaîne. C'est vous les abonnés, donc c'est un peu à vous de décider ce que vous souhaitez que je fasse. Alors, le matériel betteravier, on va y regarder un peu, normalement c'est tout par là. Hop. Non, à côté. C'est encore plus derrière. Hop, voilà. Alors, on va essayer de sortir la bête. Essayer de sortir l'arracheuse. Ouais, c'est bon, je peux la sortir par devant. Hop. La blessure, la betterave. Allez, sort. Allez. Hop. Voilà. Je pense que le chariot, je le mettrai derrière un tracteur, parce que sinon ça va être un petit peu galère. Ou derrière le télescopique, tiens. Voilà, ça y est, j'ai trouvé une utilité au télescopique. Il servira à ça. De toute façon, il faudra que je m'en serve pour le chariot, donc... Enfin, il faudra que je m'en serve, je veux dire, pour le godet, je vais y arriver. Hop. Donc, autant qu'il serve à autre chose en même temps, il servira à transporter le chariot. Comme il n'y a pas de paille cette année, enfin cette saison en farming plutôt, on verra la saison prochaine pour en faire. Si, il y a une saison prochaine. Si, farming 2015 ne sort pas avant, mais je pense pas. Alors encore, je pense au moins une saison à coup sûr, deux, je sais pas. Peut-être 3, peut-être 4, peut-être 10, hein, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que je l'achèterai dès sa sortie. Si je l'achète pas dès sa sortie, ce sera pas très longtemps après. Mais je pense l'acheter dès sa sortie, en tout cas dès que la démo sera sortie, c'est sûr, je vous la fais découvrir. Dans la journée, je tâcherai de vous la faire découvrir, sauf si c'est un jour où je travaille et où je ne suis pas disponible, mais sinon je vous la ferai découvrir. Si c'est pas le jour même, ce sera dans la semaine de toute façon. Et si j'ai pas le temps de la tester, j'essaierai d'en parler dans les vidéos. Ah ben, j'ai fait une. Ah oui, c'est touche R pour accrocher cette bestiole. On va y arriver. Voilà. Je sais plus où j'ai foutu mon plateau. Est-ce qu'il faut que je fasse le plein de carburant de ça? Ouais, on va aller faire le plein avant de partir. Bon, tant pis, hein, je viderai les moissonneuses plus tard. Je veux qu'on s'occupe un petit peu du matériel pour la betterave. Je vais aller faire le plein de ça. Même si on n'a pas grand à faire. La saison prochaine, je pense refaire la betterave. Un petit peu de patate aussi, sûrement. Ah bah voilà, il y a le plateau. Impeccable. Je vais faire le plein, je la pose sur le plateau et après il sera l'heure de s'arrêter. Hop. Il sera même l'heure de s'arrêter avant que j'arrive pour faire le plein, ou à peu près en même temps. Mais bon, c'est pas grave, on la mettra sur le plateau en même temps.
temps de l'emmener, même si le chantier est trop loin. Là, il banque des doigts, le chronomètre. Alors, le camion, il est quelque part dans la cour. Je crois que j'étais dessus. J'étais dessus. Hop, je suis dessus. C'était quoi? Ah oui, c'est l'échelle qui s'est dépliée. Ok. Hop, au plus large. Dans ce sens-là. Oh, mais non! Mais non! Hop. C'est que c'est lourd cette bête, alors. Faudrait un surbaisser, mais après ça fait grand. Je veux pas non plus un truc qui fait 45 mètres de long. Si ça loge là-dessus, on va mettre là-dessus, sinon on verra au prochain épisode pour faire avec un truc que je crois que j'ai rangé par là. Avec ça. Ce sera plus grand au pire. On verra. J'ai encore ma souris qui bug, moi. J'ai changé de souris, justement. Non, elle bug pas. C'était qu'une impression. Parce que, justement, avec ma souris qui bug, ça venait à la fois dans le logiciel, et puis... mais pas que, on va dire. Ça venait aussi de ma souris qui commençait à... On va pas dire être usée. Mais bon, elle a vécu quand même. Elle date de mon ancien ordinateur, me semble-t-il, donc ça fait du bien de la changer. Je suis passé sur une nouvelle souris, donc souris sans fil. Enfin, j'avais déjà une souris sans fil avant, mais je suis passé sur une autre. Oui, souris qui date de mon ancien ordinateur avec lequel j'ai fait... pas de vidéo sur sur Farming, mais avec laquelle j'ai fait mon premier diaporama sur ma chaîne YouTube de miniature agricole. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait avec. C'est ce qui a dû me décider de changer d'ordinateur, de passer sur un gamer, parce qu'avant j'étais sur un truc de bureau, je vais pas dire basique, mais presque. Hop, bon, on va se quitter là dessus Je crois qu'on va prendre le surbaissé parce que... Ouais, hein, allez, hop. La décision est prise, j'irai chercher le camion là-bas et on prendra le surbaissé. Donc, on va arrêter le moteur pour éviter de bouffer du carburant pour rien. Donc sur ce, je vous dis donc à dans 2 jours, mettez un pouce bleu, un petit commentaire si vous avez un truc à dire ou quoi. Franchement, n'hésitez pas. Et puis, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Plus on est nombreux, plus il y aura de vues sur la chaîne. Plus, peut-être un volant. J'attends votre décision. Et puis, sinon, je vous dis donc à tant de jours. Allez, salut les amis.